Qu'espères-tu y trouver ? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste ? Tu te prends pour un chien de chasse ? Quelque chose comme ça. Bon, les amis, oui, on est sur la piste de quelque chose, de la mort de... sur le tueur de notre chef, c'est un chef, et bah, les amis, comme vous avez pu voir, c'est Assassin's Creed, on est de retour sur ce jeu, et on avance aussi, hein, tranquillement, mais sûrement, deux jeux plus la coop de Far Cry 4, et bah oui, bah, on a du mal à avancer, hein, pourtant on avance bien dans les épisodes, mais c'est vrai que, bon, bah, malheureusement, on peut pas faire autrement. Donc là, examiner la piste. Oh oui, il y a un truc là-bas, déjà. Examiner la piste. Je sais pas quoi dire de plus. Oh, en fait, c'est à l'intérieur, d'accord. Bon, on va aller dedans. Hop. On va aller piquer ça vite fait. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, bah, maintenant, on va monter, on va voir, je sais pas, examiner la piste. Oh, je suis con. J'étais où? Ah ah. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi j'allais sur le truc, moi je cherchais comme ça, au hasard. Alors on va courir un petit peu. Ok, parti. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seul. Élise, il faut que je le fasse seul. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Bon, écoutez, voilà, c'est un gros mentor en plus, hein. La piste s'arrête ici. Bon, ouais, j'ai pas l'impression. Hein. Voilà. Pourquoi il s'est pas accroché? Bon, j'ai fait le con, je l'avoue, je recommence, c'est pas grave. Bon, en même temps, lâcher comme ça, il a pris un sacré risque. Hein. La preuve, il est mort. Je m'excuse, hein. J'ai du mal à parler aujourd'hui, mais j'ai un peu mal à la gorge. Donc on va essayer de... Qu'est-ce que tu as à faire? De y aller mollo. Alors, on va suivre ça. On va pas faire deux fois la même connerie, hein. Sois prudent. Voilà. Voilà.
Hop. Voilà. Oh. Trouvé. J'ai trouvé l'assassin. Ouais, voyons qui c'est. T'en as fallu du temps, merdeux. Bellec ? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau ! C'était lui, le poison ! Sa paix avec les Templiers n'est qu'en rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie ? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit ? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants ? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres ? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Et cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bellec, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Ok. Bellec, je t'en prie. Ok, grosse trahison. Reviens avec moi au conseil. Et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Les formés de ça. Debout. Allez, vas-y. Grosse trahison. Hein, Bellec me trahit. Celui qui m'a appris à me battre, il va être dur à voir, je le sens bien. Allez. Allez, prends-toi ça. Pauvre merde, oh. Sans cervelle. Attention. Oui, c'est ce qu'on dit. Oh, coup de boule. Ah, encore. C'est parti. Encore. Oh, coup de boule, deuxième coup de boule. Voilà. Bim. Oh. Ok. Deuxième round. J'aurais mieux fait te laisser pourrir à la Bastille. Ok. Voilà, ça c'est petit fumigène. Ça ne va pas. Tu étais si prometteur. Allez. Je te croyais capable de penser par toi-même. Je le fais, Bellec. Allez. Mais je ne pense pas. Ouvre les yeux, petit! J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu?
J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Voilà, attention. Oula. Oh, le salaud. Ton père aurait honte de toi. Oh, le salaud. Voilà. Bon, c'est le troisième round à partir de maintenant, hein. Allez. Bim. Coup de revolver. Bim. Deuxième. Toujours pas mort. Allez. Que se passe-t-il? Ok. Arnaud! Je n'ai rien. Reste où tu es. Aurais-tu te laissé croupir à la Bastille? Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Bellec. Tu ne me laisses pas le choix! Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles! Ah oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres! Attention! Alors, maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Bellec, tu me remercieras un jour. Oh, rapide. Allez, c'est parti. J'ai laissé ta chance, mais... J'ai laissé ma chance, mais... Voilà. Oh. On voit plus rien. Il a disparu. Magnifique. Oh. Il est temps d'en finir. Oh. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Qui en a un seul morceau, hein, merdeux. Fais tomber ça. Eh bien. Tu sois maudit.
comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Bon ben voilà les amis, séquence 7 mémoire 3 terminée, là on va avancer, on vient de tuer le traître Belek, grosse nouvelle. Bon en tout cas, allons-y, on continue et puis on va voir ce qui nous attend pour la suite. Allez c'est parti, en tout cas on est reparti avec notre petite copine. Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données puissantes d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et répondre à quelques serveurs. Eh, pas mal. Ah ouais d'accord. Au départ j'écoutais ce qu'il disait et je comprenais pas. Et après il disait ouais d'accord il faut pas... Ok. Donc il faut courir dans l'autre sens. Si j'ai bien compris. Mais moi il faut que j'arrête de parler parce que j'ai réellement très mal à la gorge. Je vais me prendre un petit cachet après. Ça ira peut-être un peu mieux. Bon. Et où? Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Bon, ouais. Vas-y. Allons-y, parce que là... Ah, bah, voilà, là j'ai un... J'ai un truc, en fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs, et fait fondre quelques serveurs. Ouais, pas mal. On se dépêche, parce que... Allez, let's go. Allez, let's go. On se dépêche, allez. On n'est plus qu'à 80 mètres, allez. On n'est plus qu'à 50, allez. Vite. Avant que ça nous rattrape. Je sais même pas où c'est, mais c'est pas grave. On se retrouve de l'autre côté. Oui. Bon, voilà. Je sais pas ce que c'était encore que ce truc. Mais... Encore un truc. Je sais pas quoi. Bon. Voilà. Trouver la sortie du... Nous y voilà. En plein chaos de code endommagé. Bon. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol. Ok. Oula, des tanks. Oula, Paris 1944. Paris occupé. Oulala. Oulala. Rejoindre la tour Eiffel. Ok. Ok, c'est comme l'autre fois. Je ne traîne pas en route. Les mémoires incomplètes sont bien trop dangereuses. Tu vas trouver une issue. Je vais faire de mon mieux pour te guider.
Ok, ici. Hop là, voilà. Allez, on dit, on monte. Et c'est parti. La tour Eiffel, les amis, on monte sur la tour Eiffel. Rendez-vous compte. On monte sur la tour Eiffel. C'est du nouveau. C'est énorme. Énorme. Alors. Ouh, ouh. Qu'est-ce que c'est que c'est ce truc. Oh. Qu'est-ce qu'ils me font. Moi qui croyais avoir le temps, faire ça tranquillement, mais pépère. Non, non, on me tire dessus. Faut encore que je me dépêche. Alors, je sais pas ce qu'il faut que je fasse là. Ok. On est là. Ok, c'est la passerelle. Hop. Hop là. Ici c'est bon. Oula. Ouais. On se dépêche. Invisibles les trucs. Bonjour. On va aller par là. On verra bien ce que ça donne. Hop, allez. Et tout ça monté. Oh là là. Ouais, j'ai pas fini. Ok. Faire doucement. Hein. Pas s'esquinter. Ça sert à rien de toute manière. Allez. Voilà. Petite échelle inopinante. Ça c'est pas mal du tout. Et forcément j'ai activé les commandes vocales. Donc forcément le truc il me demande. C'est tout nouveau parce qu'en fait je viens de voir la caméra. Et à Noël, et oui ma copine m'a offert ça. Je sais. Vous êtes en train de vous dire, oh là, le cul qu'il a celui-là. Mais franchement, pour vous dire, c'est sympa. Pour l'instant, j'ai pas fait gaffe s'il y avait le jeu avec. Mais il faudra que je... Allez, on va se faire un petit peu plaisir. Alors, je sais pas ce qu'il faut tirer. Oh putain, une mitrailleuse dans Assassin's Creed, les amis. C'est rare, hein. Faut qu'on y arrive. Détruire cet avion. Oui. Bingo. Allez. On va continuer à monter maintenant qu'on s'est bien amusé avec ce petit hélico. Hein. Et oula. Oh, ça pue ça. On sort de la tour Eiffel pour monter sur une... un truc gonflable. Là, voilà ton issue. Fais vite. Excusez-moi du bruit. Hop, voilà. J'ai rapproché le micro de ma bouche et je me suis un peu plus mis dans le fauteuil. Bon, ok, faut monter là-bas. C'est parti. Let's go. Bon. Allez-y. Allons-y, c'est parti. Ah bah non. Faire quoi encore là. Faut monter. Ok. Allez. Allez, on monte. Allez. Oh, putain. On me tire dessus.
Voilà. Oh, j'ai des fourmis dans la main. Oh putain. Ok. Il me fait des sacrés trucs, hein. Franchement, faut le dire comme c'est, hein. Il m'en fait des trucs, hein. Oh là là. Oh, je crois qu'il y a encore une mitrailleuse, mon pote. Je sais pas où t'es, mais... Ah, t'es là-bas. Non, mais non, même pas. Lui, il va tirer à son tour. Voilà. Voilà. Putain. Lui, il va mourir. Hop, je pense que c'est voilà. Là, on va être dans la première. Hop là. Voilà. Je l'ai eu. Bon. On va monter là. Je sais même pas si c'est là qu'il fallait aller, je sais pas, j'en ai strictement aucune idée. Par le portail. Quel portail? Ouais, je veux bien. Ah, voilà. Peut-être là. Là. Voilà. On va monter là. Hop. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Voilà. Il a disparu. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Fais les cochons, tu vas devoir sauter. Voilà. Bon, je vois qu'on se rate pas, hein, parce que là, je mourrai direct. Bon, bah voilà. La passerelle entre serveurs, la résistance, mémoire terminée. Ok, passons au suivant. Bon, ça est toujours un peu long, j'ai l'impression, hein. Mais c'est normal, hein, c'est Assassin's Creed. Le chargement d'Assassin's Creed est toujours très 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 long, en espérant qu'un jour il se finisse, parce que sinon je risque de m'endormir, hein. Surtout qu'en ce moment je suis un peu fatigué. Et puis on va peut-être aller voir combien de temps qu'on en est, hein. Ça va être bien. Pendant que le chargement se finit, on va aller voir ça. On est qu'à 30 minutes, ça devrait le faire, tranquillement. Et nous sommes de retour.
Merci, Deacon. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. C'est pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux quatre coins de Paris. On boirait une meute de chiens de chasse. C'est noté. On t'appellera si on a besoin de toi. Ok, bon. Bah moi, il me faut ma prochaine mission, hein. Parce que je perds pas de temps. Et, par contre, voilà, ça je vais aller voir parce que... Ah ouais, c'est en bas. Faut que j'aille à... Putain, faut que je rentre dans le truc, je suis obligé. Bon, allons-y alors. J'espère qu'en fait, c'était pas la mission. J'ai pas fait gaffe. Ça me paraîtrait logique. Dans un sens. Ah bah oui, bah si, c'est la mission. Et en plus, oh bah, franchement, on est vraiment bien là. Bonjour, citoyen. Voilà, interagir. Consommable. Et là, je vais acheter ce qu'il me faut. Ça plus tard, j'en ai pas besoin. Munitions. Voilà. Ça c'est bien. Remède. 4, c'est très... Oh putain, je peux pas. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Et ben j'ai plus rien. J'ai plus un sou. Donc on va s'arrêter là et c'est très bien. Et on va continuer. On va aller voir ce qui nous attend. C'est parti. Allons voir. Bonjour, bonjour. Fait qu'ensuite, mémoire 1. C'est parti. Vous m'avez convoqué ? Monsieur Dorian, nous avons un travail pour toi. Vous voulez encore que je joue les messagers ? Deux maîtres assassins sont morts, l'un de ta main pour protéger un Templier. Estime-toi heureux que nous ne te punissions pas davantage. Et Germain ? Son sort ne te regarde pas. La nuit dernière, la commune de Paris s'est déclarée en insurrection ouverte contre le roi. À l'heure où nous parlons, 20 000 révolutionnaires armés font le siège des Tuileries. Même la garde nationale est divisée. Certains de ses membres ont rejoint les insurgés. La France est sur le point d'imploser. Cela devrait nous ravir, non? Le peuple se bat pour ce qui lui est dû. Liberté, égalité. Oui, tu aurais raison si nous ne cherchions qu'à équilibrer une balance. Mais la réalité est bien plus complexe. En mettant de l'ordre dans les affaires de Mirabeau, nous sommes tombés sur des correspondances de nature royale. Mirabeau était en relation avec le roi. Et ce ne fut pas aussi discret que cela aurait dû l'être. Si les exemplaires de ces lettres en possession du roi étaient rendus publics, les Templiers seraient en mesure de révéler qui sont nos agents et de les éliminer partout en France. Je dois donc m'assurer de les trouver avant eux. Au plus vite, les gardes suisses sont en difficile posture. Ils seront probablement débordés avant la tombée de la nuit. J'ai pris l'habitude d'entrer sans invitation. Bon, les amis, c'est parti, on est de retour pour faire cette mission. Et je pense qu'après, on va s'arrêter, parce que, comme je vous ai dit, on a la gorge un peu mal. Donc, je peux pas trop parler aujourd'hui. Je vous promets que on va essayer de s'en faire une plus longue qu'un de ces jours. Comme ça, on va mieux avancer, et puis ça sera beaucoup mieux. Mais là, la gorge, comment est-ce ? Commence à être en feu, donc on va y aller tranquillement, mais sûrement. Et puis voilà. Arme à l'épaule, on joue. Feu. Oh, bien joué. Reprenez position. Oh, la nation.
Bon. Ok, vous infiltrez dans... La rhétorique des émeutiers laisse à désirer ces temps-ci. Mort aux tyrans ! Voilà, ok, là, on va mettre un coup de truc comme ça pour voir. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, viens là, mon pote. Je vais te vous montrer la lune. T'inquiète. Vas-y, viens, non ? Ok. Ça n'est pas normal. Ok. Un autre là-bas. C'est un malin. La prochaine fois. Ok. Ah. Il se passe quelque chose. Ok, bon bah c'est mort pour la super discrétion. Ah, j'aurais été triplé, chien de modéré. Oh là, oh là, oh là. Je me tire. Oh putain. Oh purée. On va vous éradiquer. Je vais me laisser tuer, tant pis. Et là, il n'y aurait pas dû y avoir autant de bonhommes dans le coin. Je m'y attendais pas. Bon, je sais même pas où il faut rentrer en fait. J'avance et je ne sais pas. Donc il faut que je voie où m'arrêter, où faire quoi, où rentrer déjà. Ça serait bien. Je crois que j'allais devant à la porte d'entrée en fait. C'est vrai que c'est le mieux. Bonjour, c'est moi, je me présente. La rhétorique des émeutiers laisse à désirer ces temps-ci. C'est qui m'a vu. Je crois que c'est les mecs de là-bas. Non, c'est bon. Qu'est-ce
Ok. Bon. Là, je vous avoue, j'ai eu très très chaud. Ouais, faut que j'arrive à passer là-bas. J'étais juste derrière lui. Qu'est-ce que c'était ? Ok, en fait, ça se trouve. C'est nous qui avons passé tout à l'heure. Hein ? Salut ! Citoyen ! Halte ! Ok. Je ne te laisserai pas t'enfuir ! Voilà. On va attendre 30 secondes. Voilà. On y va tranquille. Pas de faux mouvement. Voyez partout. Le capitaine veut ses documents. Il n'y a rien ici. Continuez à chercher. Ils ne sont pas loin. J'avais dit pas de mouvement. Qu'est-ce que je fais? Un faux mouvement. Voilà. Ok. Et on va le prendre aussi. En fait, tout simplement, et en fait, tout le monde m'est atterri sur le coin de ma gueule. C'est le cas de le dire. Bon, là, ça c'est bon. Voilà, on va y aller tout en finesse. Voilà. Oh, mais en fait, c'est mon coup, un peu de triche, j'ai envie de vous dire, les amis. Mais ça marche à chaque fois. C'est ça qui est superbe avec ça, c'est que ça marche à chaque fois. Bon. Là, j'ai un truc vert. Dois-je m'accrocher au lustre ? Ok, pour l'instant j'ignore ce qu'il faut faire. Ok, ça c'était pas la chose à faire du tout. Ah bah, c'est passé, c'est nickel. Bon. On continue. Il est mort. Voilà. Là. Si c'est possible, ça serait bien. Off. À côté, dommage. Oh bah, complètement à côté, là, ça c'est clair.
Oh. Non. Ouais, c'est mort. Bon. On va passer par, bah, par là, du coup. Voilà. C'est bon, là je me suis soigné, c'est parfait. Et bah c'est celle-là. On y va. Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre, si je peux me permettre. Vous tenez l'arrière-garde, n'est-ce pas ? C'est fort pratique de se retrouver séparé des combats par quelques portes verrouillées. Oh, je ne suis même pas là. Pas officiellement, du moins. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de fouiller le cabinet privé d'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis ? Secret d'État, correspondance privée, trésor personnel, ce genre de choses. J'espère que nous ne convoitons pas le même butin. Quel est le vôtre ? Des lettres qui furent envoyées au roi, qui prêteraient à malentendu. Si elle tombait entre de mauvaises mains. Je vois. Eh bien, nous devrions peut-être unir nos forces. On dit que le roi a fait construire un coffre secret. Si nous pouvions le trouver. Ok. Il faut que je trouve l'armoire en fer. Pff. Voilà. Vous disiez ? Tout à fait remarquable, mon ami. C'est incroyable. Vous avez votre butin ? Une corne d'abondance, oui. Et le vôtre ? Il me semble. Oui. Le voilà. Cela devrait régler l'affaire. Il me semble qu'il est grand temps de partir. Pressons ! Qu'est-ce que c'est ? Notre issue. Ouvrez-moi, voulez-vous ? Ah, ok. Ok, bon. Couvrez-moi. Ok. Hop. Bon, c'est un peu chaud, désolé que je parle pas trop. Voilà, je fais n'importe quoi, je... Voilà, je me suis soigné. Voilà. Ça, c'est bon. Où avez-vous appris à vous battre ? Voilà. Diable, le but. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. En 22 secondes. Maniez votre lame comme un vrai diable. Ah non, c'est bon. Allons-y. Fouillez partout. Je veux ces documents. Lui. Diable.
Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous ? Une malencontreuse épine que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin. Je dois remonter là-haut. Dans ce chaos, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, c'est une meilleure idée. Ok, je te suis. Alors, vous n'avez pas manqué d'allant, là-bas. Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes ? Je n'ai jamais aimé... Alors, un individualiste. Le fléau des généraux et des hommes d'État. Je vous comprends. Je voudrais pas parler en même temps qu'il parle. Ont un avantage sur les autres militaires. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Bon. C'est quand même, si les amis, engagiez Bonaparte. Vous seriez maréchal avant 10 ans. Je vous Napoléon le garantis. Bonaparte. Vous connaissez, les amis. Mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Lieutenant d'artillerie. Pour le moment. Arnaud Dorian. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous ? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. J'ai observé toute cette sinistre affaire depuis un magasin de meubles, au Carrousel. Un visage perdu dans la foule, bien entendu. Bon, bah quand tu veux, hein. Ça m'a l'air un peu long ton chemin, mais je te suis, vas-y. C'est très très long ton chemin, peut-être que ça y est, on est arrivé les amis, ça y est. Tout ça pour retourner dans une autre maison, qui est sans doute la même. Et maintenant, attendez un instant. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous devriez vous abriter. Vous mettre à couvert. C'est caché. Okay. Tout est en ordre, monsieur ? Oui, caporal. Un tir superbe. L'entraînement régulier fait la force d'un régiment. Mieux vaut y aller, monsieur. Nos chemins se séparent. Et pour Rouille ? Laissez-moi quelques jours. Je tâcherai d'en savoir plus sur son affectation. Peut-être pourrais-je arranger une rencontre. Portez-vous bien. Ok, bah voilà, mais c'est qu'ensuite, mémoire 1 terminée. Et puis, bah, on passera à la suite, mais pas aujourd'hui, parce que... Comme je vous ai dit, je suis très fatigué, mal à la gorge, tout ça. Donc ça va pas le faire. Donc là, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, bye.